Salut Cortana. Bonjour. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés de me suivre et de me faire confiance. Aujourd'hui, on va voir une petite vidéo sur éventuellement un petit cadeau de Noël, un téléphone, un smartphone, le Nokia Lumia 650. On va voir ensemble ses spécificités. On a tout de suite la boîte ici face à vous. Ce Nokia Lumia 650, bien sûr accessible. On va voir ensemble équipé d'un Windows 10 et de Cortana. On va voir déjà ce que la boîte nous offre. Donc, la boîte est une sorte de tiroir. On la tire et apparaît instantanément le téléphone sur le côté droit. Alors le téléphone sort, je vous le montre ici. Alors ici c'est un téléphone noir, on peut le trouver en deux couleurs, noir et blanc. Équipé d'une nano SIM, ce téléphone peut aussi avoir une double SIM et en plus il est équipé, si on ouvre le derrière de l'appareil, équipé d'une batterie amovible 200 mAh, d'un port SD où on peut lui rajouter de la mémoire. Ce téléphone possède déjà 16 Go et on peut, grâce au port SD, rajouter jusqu'à 200 Go de mémoire, ce qui n'est pas du tout négligeable. On a ici l'appareil photo de 8 millions de pixels à l'arrière, l'appareil photo en façade de 5 millions de pixels pour faire des super selfies. Le boîtier à l'arrière est complètement souple. Ici, comme vous pouvez voir, on l'enlève très facilement pour avoir accès donc à la carte SIM, à la carte SD et à la batterie. Pour le remettre, c'est très simple. On le repositionne et comme vous entendez, il se clipse tout seul. Donc, on a, comme sur tous les Lumia, en fait, le bouton Windows au centre, le bouton retour à sa gauche et le bouton Cortana à sa droite. Sur le côté droit de l'appareil, on trouve en fait les boutons de volume et le bouton marche-arrêt. Lorsqu'on appuie, on arrive directement sur l'écran d'accueil avec l'heure. On déverrouille l'appareil avec un glissé vers le haut. On va continuer à regarder ce qui se trouve dans la boîte. Donc dans la boîte, on trouve la connectique micro. Il est livré avec un casque très basique. Je vous présente ce téléphone. Il est accessible via le narrateur. En plus, il a la possibilité donc d'avoir un système GPS embarqué. Alors, on est donc, l'écran est un Gorilla 3 solide au niveau des rayures. Sur le haut de l'appareil, le port jack 3,5. Pour le charger, un port micro USB pour charger l'appareil et transmettre des informations via votre PC. Il fait partie de la gamme des Nokia les plus fins, 6,9 mm d'épaisseur pour un poids de 122 grammes. Il a un très beau contour métallique qui lui donne vraiment un aspect premium, un aspect très très design. Ce Nokia Lumia 650 fonctionne sous la 4G, équipé d'un processeur Snapdragon 4 cœurs cadencé à 1,2 GHz. On va pouvoir démarrer directement le narrateur en appuyant sur la touche volume haut et au centre de l'appareil la touche Windows, ce que l'on ferait comme sur un PC Windows entrée. Démarrage du narrateur. Une fois le narrateur démarré, appuyez deux fois pour activer. Si on est sur l'écran d'accueil, on appuie deux fois et on déverrouille l'appareil. On arrive donc sur l'appareil, sur l'écran d'accueil. On a donc une zone de notification complètement accessible, pareil au narrateur. Lorsqu'on veut la dérouler, on fait partir deux doigts du haut vers le bas. Centre de notification entièrement ouvert. Ici, on a un centre de notification qui peut être déroulé en deux parties.
Et dans ce centre de notification, on a accès... Désactiver économiseur de batterie, action rapide appuyée deux fois pour activer, appuyée trois fois pour bascule activée. À différentes choses comme économiseur de batterie, la lampe... Désactiver lampe torche, action rapide appuyée deux fois, action rapide non appuyée deux fois pour activer. Au Bluetooth, au Wi-Fi et... Action rapide tous les paramètres appuyés deux fois pour activer. Aux paramètres généraux ici de l'appareil. Zone de recherche, rechercher un paramètre, modification. Une application carte où on peut embarquer des cartes pour se servir du GPS. Ton démarrer, réduit, appuyer deux fois pour activer, appuyer. Téléphone, aucune carte, cible moyenne 2x2.1, avec défilement à 100%. On va pouvoir avoir accès à toutes les informations journaux. Actualité, un avion se crashait avec 72 personnes à bord, moyenne 2x2, 15/18, appuyer deux fois pour activer, appuyer trois fois pour... Alors bien sûr, pour évoluer dans les différents articles, on va pouvoir monter avec deux doigts du bas vers le haut. Sélectionner, sélection contient sur 100 éléments. Redescendre l'écran. Sélectionner, sélection contient sur 100 éléments. Sélectionner, sélection contient sur 100 éléments. Bouton Fillon Cafouille, Valse rentre dans le rang. Enquête sur le convoi de Hollande à plus d'actualité. Avec défilement à 23%. Il nous dit le pourcentage de la page lue. Windows Microsoft Edge. Alors sur le navigateur Microsoft Edge. Le premier cafouillage de Fillon, la non-émission de Valse et l'enquête sur un convoi de Hollande appuyé trois fois pour activer. Au niveau 2. Paragraphe. Caractère, tableau, lien, titre. Donc lorsqu'on est sur le navigateur Edge, on va faire glisser un doigt bas haut et on va entendre les différents éléments. Point de repère et conteneur. Élément. Paragraphe. Ligne. Mot. Caractère. Tableau. Lien. Alors par exemple, je suis positionné sur lien. Maintenant si je pitch gauche-droite. Link, Paul Laobac, appuyé deux fois pour activer. Link, la grande boutique, les républicains, appuyez deux fois pour activer. Ici, si je veux valider ce lien. Les républicains, valeur http://www.valeurhttp2.double/.nouvelle-ops.com/.politique/.presidentielle-primaire-droite/.2016128.ops-stéphanie-directeur-général-exit-mobile-fillon-fait-mena. Paragraphe. Donc je suis sur paragraphe et je vais pitcher. François Fillon, avec à sa droite Laurent Wauquiez et Bernard Écoyeux, à Paris, le 22 novembre 2016. 8 barre oblique, 6 pas figure. Titre de niveau 1, sur le même sujet texte. Plus bouton header. Image. Vide présidentiel, pourquoi François Fillon est loin d'avoir gagné Link. Fillon plébiscité, Juppé laminé. Tandis que Valls défie Hollande Link liste item. Son équipe, son parti, les législatives, les trois chantiers urgents de Fillon Link liste item. Best live. Voilà, vous voyez, donc là, on est sur le navigateur Edge. Voilà comment on peut naviguer sur ce Lumia 650. Pour enlever le narrateur, on fait exactement la même chose. On appuie sur le bouton Home et sur le bouton... Windows et on a sorti du narrateur. On a toutes les applications sur l'écran à droite. Lorsqu'on fait glisser droite gauche, on va arriver sur toutes les applications positionnées dans notre téléphone. L'avantage donc avec ce Nokia équipé de Windows 10, on a Cortana et on va pouvoir lui demander différentes choses. On fait un appui sur le côté droit du bouton Windows. Quelle heure est-il, Cortana? En ce moment, il est 13h52. Peux-tu chanter une chanson? Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé. Voilà donc sur ce joli petit air de musique, de chansonnette. Voilà donc le Lumia 650 équipé d'un Windows 10, de Cortana, du narrateur avec différentes fonctionnalités. Vraiment un petit prix. Son prix est de 129 euros. Donc ça peut éventuellement faire un très beau petit cadeau de Noël. Au revoir Cortana. À bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne pour continuer à grimper et à me soutenir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut !